Ok. YouTube, épisode 2, on continue. On a eu notre Pokédex. Maintenant, on part à l'aventure. Voilà. Dès que je parle plus, considère que tu as plus un viewer que ce qui est marqué. Bah ouais, mais tu sais, mes stats, moi, c'est important. Maintenant, on est 7. Ouais, c'est cool. Eh bien. Est-ce qu'on parle à tout le monde? Ici, c'est la cambrousse, tu visites les grandes villes, elles te mettront plein la vue. Ouais, et la dame? Super, t'oublies pas de consulter ta carte. D'accord, merci. Bonjour? Oh, je peux rentrer, c'est cool. On peut squatter chez les gens! On peut aller dans leur placard! Non. Mais, tac, moi je suis... Altmost, il est toujours là, ouais. C'est bien. Il a raison, Altmost. Lui, il me quittera jamais. Non mais t'inquiète pas, what the fuck, je sais bien que t'es sur le mobile et que tu fais sûrement d'autres choses et que tu regardes avec Almost. De toute façon, moi, quand Almost est là, je considère que vous êtes deux. T'en fais pas. Le grand bâtiment juste à côté, c'est le laboratoire Pokémon. Quand je dis ça, c'est pas que toi, what the fuck, hein, y a plein de gens qui sont des voyageurs, tu vois. Par exemple, on est revenu à 5. Hop là, le grand bâtiment juste à côté, c'est le laboratoire Pokémon. Oui, je sais, merci, mais si tu cherches le professeur Manuel là, tu la trouveras chez elle au bout de la route 2. On a un ronron. Ah, je le caresse. Attendez, on l'a pas vu. Ah, mais je le caresse même pas en fait. Ça sert à rien. Ça me dire, mais je me sens coupable après. Non, t'inquiète pas. Pas toi, pas toi. Les autres, oui, pas toi. Tarak est tellement fort, c'est notre superstar à tous. On est à la gare là, non? Avant, je voulais devenir dresseur Pokémon. Oui, moi aussi. Mais honnêtement, toujours penser aux Pokémon comme l'a fait Tarak, c'est pas vraiment pour moi. Ah bon? Rien, pas compliqué. Attendez, je comprends pas là. Là, c'est le chemin d'où on voulait aller au Détalard. Donc, normalement, si je reprends le chemin comme ça en arrière, c'est là où il y a les moutons qui bloquent le chemin. C'est ça? Ils sont où? Ok, c'est ça. Il en manque encore deux minimum par rapport à avant la pause. Le Hoko est dans son bain et je sais pas. Ouais, c'est ça. Bah, il y a Po Alexis aussi qui est parti, je pense. J'ai aperçu Tarak à la gare, il a un tel charisme qu'on le remarque même de loin. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Dracofeu Power, il suffit de prendre la pause Dracofeu pour se sentir plus fort. Yeah! Hop! Ok. Bon. Vous savez, moi, vous m'habituez à des scores maintenant, à des records sur ce live, c'est incroyable, hein. Je suis mal habitué, hein. C'est quoi ça? En raison de travaux de résommation sur le réseau, les délais sont à prévoir sur la ligne. Ah! Eh! Eux aussi, ils font grève! Faut pas que je grille comme ça, parce que j'ai pas de compresseur. Désolé pour vos oreilles. Bienvenue à la boutique Pokémon, que désirez-vous faire? C'est une boutique Pokémon, ça? Sérieux? Attendez, non, mais attendez, vous foutez de moi? Il y a des dossiers derrière. C'est une boutique Pokémon. Y a pas de Pokéball. Ah bah je m'en fous alors. Un autre travaux de rémission réseau. Ok, d'accord. C'est ok, on n'a pas d'écouteurs. Ok. Bon bah je vais crier alors. Hein. Très fort. Ah, je peux m'asseoir. Ça vous rappelle pas un Mario moustachu? Mais je veux juste lui parler, bordel. J'adore regarder par la fenêtre quand je prends le train, tous ces paysages qui défilent. D'accord. Donc on va pouvoir prendre le train. Ok. Super. Je devrais le faire moi aussi. Ah ouais, tu devrais. Bah tu sais, ouais, moi je l'ai acheté quand... Pas longtemps après sa sortie et je l'avais pas encore commencé mais je voulais le faire en live. Donc j'attendais de pouvoir avoir un créneau pour le faire en live tout simplement. Hein. Ah, oh non, voilà Nabil. Sonia m'a filé un Pokédex, ça c'est trop classe. Ouais, on va pouvoir rencontrer plein de Pokémon et se montrer une équipe de tonnerre. Ouais. C'est lequel que t'as, toi, Moustachu, déjà? Je crois que tu as bouclier, non? Mais si on tombe sur des Pokémon sauvages et des dresseurs trop costauds, nos équipes risquent de déguster. Eh bah oui. Heureusement, les centres Pokémon sont là pour nous aider à les remettre en forme. Donc, le centre Pokémon est rose maintenant, il est plus rouge. Heureusement que les centres Pokémon... Hein. Mais c'est rose, tu ne peux pas les rater, ils se ressemblent tous. Allez, viens, chaton, on va aller jeter un œil. Ouais.
J'ai lu à Noël. Ah, cool! Ta première fois dans un centre Pokémon? Ben. Non, je m'y connais. Voilà. Allez, hop. Dans ce cas, j'ai rien à t'apprendre. Ouais, merci. On va passer un peu les explications parce que bon. Vous êtes dresseur, les jeunes. Pensez à faire plein de potions. À faire? Quoi, il faut crafter les potions maintenant? Chaton va te faire soigner ton Pokémon et si nécessaire, retrouve-moi sur la route 2. Ce serait pas un Métisma là-bas? Là-haut? Ah si, c'est ça, c'est un Métisman. Miotisma, pardon. Mais en version Poké Center. Bonjour, que veux-tu faire? Accéder au bot PC. Ouais. Vous pouvez stocker les Pokémon dans votre PC accessible depuis le centre Pokémon, les Pokémon. Ah, il faut plus aller voir l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non. Et on peut les personnaliser ou pas? Comme avant. Thème. Ah, bah voilà. Oh non, c'est moche. Oh non, je préférais les thèmes sur Game Boy. C'est 10 000 fois mieux. Attendez. Thème, non, retour. Ok. Bon, on verra ça plus tard. Ça, c'est encore une. Mais sire, t'es un Pokémon bouboule, non? Il faut arrêter la bière, monsieur le Pokémon, hein? Ça vous fait du bidon. Pokémon, c'est ma grande passion. Dis-moi quel sujet veux-tu discuter? Spécialité, non. Rappeler une capacité. Question de Pokémon veux-tu que j'évalue? Vas-y. Valide Léon. Léon, c'est pas un mauvais surnom, mais on peut lui en trouver un légèrement meilleur, qu'en penses-tu? Ouais, tu pouvais mettre terre, herbe, roche, eau, mer, etc. etc. Ouais, c'était cool. Puis c'était plus mignon aussi. Quel sera son nouveau surnom? Ah non, non, non. On peut changer les surnoms, ok, quand on veut. Bon, c'est une bonne chose à savoir. Tu j'ai vu, non, 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 c'est bon. Ah! Il fait. Il fait de la patate en pression. Et du raisin en pression aussi. C'était plus cohérent. Ouais. Donc ça, j'imagine que c'est. Ouais, c'est le shop. C'est quoi? Attends, j'entends rien. Ah oui, c'est très bien, merci. Hop. Top. Ah, le repas est arrivé. Ouais, je vais manger. Laisse tout là. C'est pas à moi cette fourchette. Je crois que c'est à toi. Celle de ton bento que j'ai fait la dernière fois. Quand t'as ramené la boîte que je t'avais prêtée, t'as dû mettre cette assiette. Non, mais laisse, je vais manger avec maintenant. Comment tu l'as reconnu? Bah, j'ai pas de fourchette qui vient d'un hôtel. Ouais. Les patates en pression, c'est de la vodka et le raisin levant, ils sont pas cons. Ouais, mais bon, je vais pas le dire en live, voyons, mon goût nordique, il faut pas le dire, les enfants le savent pas! J'ai pris les hauts aussi. Ah, bien, mais mieux, ça, je suis très très bon choix. Ah bon, je vais mettre un peu de soignage sur le Pokémon et bouffer un morceau de steak haché. Aïe, pardon. Oh, c'est moderne. Oh, il est bon. Non. Je me trompe tout le temps, je clique toujours 3 000 fois sur ce truc. T'as raison. Alors, est-ce qu'il y a des Pokéballs maintenant? Toujours pas. Attends, non, il n'y a pas plusieurs catégories. Non. Si, attendez, on y retourne une troisième fois parce que jamais 203. Potion! 5, c'est bien. Ok. Non, c'est bon. Au revoir. Et toi, Centre Pokémon s'occupe de soigner les compagnons autant de fois que nécessaire et toujours gratos, c'est super. Ouais, pourquoi ça n'existe pas aussi ici en France pour les humains? Encore un horoscope qui tombe juste, je le savais, les astres ne mentent jamais. Oh, ça va plaire à What the Fuck. Dans mon lit avec ma tablette, nickel. Ah, super, très bonne idée, bébé Stéchu. Oui, c'est pourquoi. Oh, toi aussi, tu veux connaître ton horoscope? Allez, vas-y.
Allez, on va lire l'horoscope de chaton. Je vais te dire tout ce que tu veux savoir. Donne-moi ton mois de naissance. Je mets le vrai mois de naissance. Mais 02. What the fuck, elle a mis plein de non-œil pour genre faire joli. Comment ça, 02? Par contre, ça c'est bientôt, c'est le mois prochain. Ouais, mais ça marche pas. Ah, mais attends. Ah, c'est compliqué parce que... On veut l'horoscope de chaton. C'est compliqué parce que les vrais horoscopes... Enfin, c'est, un... bon, c'est du horoscope Pokémon. Mais les vrais horoscopes, c'est pas du, c'est pas de mois en mois. C'est genre de fin de mois à fin de mois. Mmh. Bon, je mets quand même mon mois. Je vais te demander ton jour. Non. Vas-y. Parfait, on a le mois. Maintenant, il me faut le jour. Eh hey, merde. Est-ce qu'on met aussi le jour de chaton? Je mets un 2. J'ai peur. Il faut appuyer sur OK. Oui. Si il donne le jour pour te souhaiter ton anniv. Ah bon, tu penses? Mais mes tenues au feu. Pokémon O, mes tenues feu. Ah, on peut choisir la tenue. Ah, tu demandes, je sais pas, peut-être. Voyons voir. Ah, c'est ça, ouais, tu m'excuseras, mais l'astro, c'est une science exacte. Oui, bon, vas-y, allez, on valide. Animal Crossing te souhaite... Oui, Animal Crossing, je le fais, ouais. Alors, tu es donc né... Voyons voir ce que ça donne ton thème astral. Ah, c'est mon thème astral, pardon. Laissez-moi consulter mes grimoires. Putain, mais... Attendez, je vais consulter mes grimoires. Voyons d'abord les transits et les éphémérides. Oh là là. Mince alors, mon grimoire est tout taché. Ça va être quand j'ai mangé mon goûter. Bah, Sanae, sors de ce corps. Comment ça? Bah, elle dit mince alors, mon grimoire est tout taché. Ça va être quand j'ai mangé mon goûter. Il est plus chaud que moi. Je n'arrive même plus à déchiffrer les SP avec tout ce chocolat, c'est ennuyeux. Ah, mais ça, c'est l'éclair au chocolat que je t'ai ramené tout à l'heure. Hein. On en a foutu partout, hein. Non, ne t'en fais pas, je vais y arriver quand même. Les étoiles me guident après tout. Ta date de naissance révèle que tu es quelqu'un de formidable et de chanceux. Oui, c'est complètement moi. Non, non, c'est moi. Hein? Comment ça, c'est toi? Oui. Formidable et de chanceux, exactement, c'est vrai. Comment vous me connaissez, madame? Vu sur la position des astres, tu vas peut-être tomber sur un Pokémon légendaire. Ouais, enfin, ça, c'est un peu tard, c'est déjà fait. Sur ce, je fais comme les étoiles, je file. Et moi, je fais comme dans la fanterie, je me tire ailleurs. oui, what the fuck. Exactement. C'est pas compliqué à savoir. Attention, morceau de steak. Référence à Retour vers le futur. Ah, le personnage, oui. Allons parler à sa grand-mère. La professeure Pokémon vit dans une jolie maison près du lac. Elle en a de la chance, oui. D'accord. Et toi, la vieille? Le matin, mes Pokémon me réveillent et le soir, je les mets au lit. Je ne peux même plus imaginer une routine quotidienne sans eux. Wow. J'ai entendu dire que Tarak avait un petit frère. Il doit être très fort aussi. Bonjour, elles sont fraîches, mébé, elles sont juteuses. Tiens, elles te tentent, dis-moi tout. Quoi, on peut acheter? Ah, on peut acheter, d'accord. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Pareil avec les miens. Je suis vieille. De quoi tu... Mais quoi bébé ou Sachu, j'ai un peu de mal à te suivre. Et Mangousse Nordique aussi. Il y a des messages que j'ai ratés. Mumu. Ah, tu parles de la grand-mère. Je viens de comprendre, Mangousse Nordique. Bah oui, il te réveille le matin et tu les couches le soir. Allez, on dit bonjour aux moutons. La nourriture a encore meilleur goût quand on la partage avec ses Pokémon. Bah, ils veulent un peu de mon steak.
C'est toujours agréable de faire du shopping, alors moi qui adore les chapeaux, je suis comblé. Ah ! Allons changer cette... On va aller acheter une casquette. Elles sont où les... Oh, attendez. Ah, j'ai cru qu'il y avait un mur. Casquette, là. Casquette, madame. Bienvenue dans notre magasin, que désirez-vous ? Une casquette. Oh, à encolure bateau. Oh, ça coûte cher. Ah, mes Pokémon, non, je parlais du dialogue de madame. Ouais, j'ai vu. Bientôt, mon... Ah, tu vas faire une décoloration, carrément. Ça... Oh, ça va, c'est stylé, les décolorations, tu pourras en profiter un peu. Je devrais essayer aussi de me teindre les cheveux en blanc. Je serais sexy. Oh, je vais me raser la tête, comme d'hab. Ah, la marinière, on est un breton, hein. À 1500, la marinière, il se fout de moi. Ça coûte plus cher qu'un... J'ai combien? 30 000. Oh! Non, mais ça, c'est pas mal aussi. Mais c'est un peu cher, par contre. C'est toute ma thune. Non, je le prends pas. Bonne chance, les cheveux blancs, en étant brun. Bah, un peu d'eau oxygénée, non? Tout simple. Urbain. T-shirt curry. Mais ils ont, c'est, ce qui m'étonne, c'est qu'ils aient pas repris les t-shirts qu'ils ont fait avec Uniqlo. Ça aurait été trop bien. J'aurais les, du coup, j'aurais le même t-shirt en live. Attends. Ouais, là aujourd'hui, je porte Ectoplasma. T'as rien, désolé, ça marche pas trop. Oh mince, ça marchera pas alors. Tu veux avoir les cheveux jaunes? Ah mais je les ai eu jaunes, hein, donc ça va. Alors. Ah non, ça c'est seulement si on veut ton t-shirt, ça c'est... Ah d'accord, ok, bon moi je veux avoir chaud. Ah mais c'est cher un gilet aussi. Pantalon, skinny... Oh, c'est moche. Y'a pas des vrais jeans? Parce que on dirait un pantalon de hipster, ça. Genre pour les brûler, les rendre juste jaunes. Ah, tu penses? Mais j'ai pas les cheveux foncés aussi, donc ça va. J'ai trouvé trop de beach fly pour ne pas savoir. Pas mal. Bon, j'ai compris. J'imagine qu'en fait, les 30 000 Pokédollars qu'ils m'ont filé, c'est juste pour que je fasse les emplettes. Oh, les mocassins sablettes, c'est pas mal. Blanc et rouge, c'est pas mal non plus. Mais sablette, c'est ma couleur. 6 000! Bon, attends, le principal, c'est la casquette, hein. On va pas se mentir. Y'a rien! Y'a juste ce truc horrible, là. On dirait un toad. Ouais, mais c'est archi pas une blague, c'est des vraies vidéos, pas une ref à Beach. Ah bon? Beach Fail, c'est... Ah, mince, je trouvais que c'était une très bonne blague, moi. C'est quoi, Beach Fail? C'est quand les gens, ils arrivent pas à se teindre les cheveux en blanc. Enfin, à décolorer leurs cheveux. Attends, la prochaine ville, tu penses? Tu penses? Alors, c'est ce que tu penses, mon Goustandic, ou c'est sûr? De toute façon, je peux pas rester avec ce bonnet, hein, c'est pas possible. Voilà, la gavroche, ça sera très bien. En beige. T'as vu, moi, ils sont foncés, donc de la poudre de décoration. Tu penses à quoi, toi? Oui, je pense et je suis sûre, pour la prochaine ville. Ah, moi, je pensais à de l'eau oxygénée, mais je pense et je suis sûr. Ah, ok, d'accord. Moi, je vais quand même prendre une casquette blanche, là, c'est bien. Pour, voilà. Pour tout de suite. Voilà, parce que bon, on peut pas... Vous comprenez, quoi. Et puis, les lunettes, c'est important aussi. Y'a pas des lunettes en bois? Attends, y'a les noirs ou les marrons, là, tout à l'heure. J'aime bien, y'a deux teintes. Noir, c'est pas mal. Ouais, y'a noir, y'a pas marron. Bleu marine. Sinon, y'a vert. Orange. Le marine. Elles sont pas jolies les lunettes. Bah c'est plus teinte. On se voit pas. Ah bon? Ah je sais pas, j'ai jamais fait. Je crois que c'est trop fort l'oxygéné pour les cheveux.
Bah, je sais pas, c'est une technique qu'on me. Enfin, j'en vais entendre. Je sais plus qui m'a dit ça, mais. J'ai une pote qui m'avait dit, tu sais, tu. Tu peux faire des teintures genre bio, je sais pas quoi. Genre. Ça ouvre les cheveux, décolore, mais faut les refermer, le nourrir, sinon ils vont tomber. Ah, d'accord. Et bah, après, je vais faire un petit soin chez mon coiffeur. Oh là là. Les gants qu'on a pas. Bah moi je voulais la marinière bretonne. Je veux la boss type combat. C'est quoi la boss type ça? Je sais pas. Ah, je bats la boss type combat. C'est juste que type c'est T-Y-P-E normalement, baby. Où c'est, je suis. Hop, demande direct à ton coiffeur. Si la fille de ton cheveu est dénudée. Soit... Non mais vous embêtez pas, je vais rien faire, moi je blague. Hein. Mes cheveux ils sont déjà morts de toute façon. Ils veulent déjà se barrer de mon crâne donc. Oh, regarde ton t-shirt! Mais ouais, mais il coûte 30 000 cette. Ah, bah, grave, MDR, il va chez le coiffeur pour rattraper ses bêtises. Sinon, il y a celui-là au pire. Le curry? Ouais. Non, mais gagne plus d'argent et après, ouais, je vais être riche, t'inquiète pas. Regarde, ça me ressemble un peu. C'est pas un chien, c'est un arcanin. C'est pas un chien, c'est un arcanin. Tout à l'heure. Où ça? Tout à l'heure, tu sais, le super cher, là. Ah. Ah oui, c'est arcanin, ouais. Pourquoi? C'est toi qui as dit chien? Je crois. Ah. Je vais faire comme ça, voilà. Je suis pas très doué. C'est pas grave. Je sais pourquoi. Regarde, si je prends gris, ça va? Non, il faut jaune, c'est un breton. Oh non, là, il est trop pâle, il est pas beau le jaune. Bah ouais, mais y a pas les gilets jaunes des moutons. Non, enfin, les gilets. Une couleur peps, genre même rose, c'est sympa, je trouve. C'est genre rose. T'es heureux. Vert, c'est pas mal aussi. Bleu marine, sinon. Bleu marine. Tout est en bleu. Ouais. Bah, je suis un breton, hein. Qu'est-ce que je te dis? Ou belge comme ça. Ah non, encore un Pokémon, ouais. Mais c'est pas ton style. Ah bon? Gris, attends, c'est moi, c'est dessus. Beige et marron habituellement. Ouais, celui-là. Ah non, bon. Je vais prendre le beige. Ça ira avec les gants. Ça fait très stylé. Bleu marine, c'est mieux. Bleu marine. Mais ça fait trop uniforme. Bon, hop. Faut savoir, là, y en a marre. Hein. Ah, prends le bleu clair. Le bleu, moi, jaune, bleu. Je trouvais ça bien. Non? T'aimes pas? Non. Okay. Bon, je vais prendre jaune. Voilà, je vais rester sur ma première idée. Ouais, bleu c'est bien. Ouais, mais non. Jaune c'est encore mieux. Un peu de couleur dans la vie, voyons. Déjà que c'est l'hiver. Oula. Et le pantalon, on va le faire jaune aussi. Voilà. Pourquoi? On est l'ami de Pikachu. Mais pourquoi on choisit ce jaune aussi? Ils auraient pu mettre un jaune plus. Ouais, potentiellement. C'est un peu pastel pour jaune. Tu vois, après je reprends beige. Beige c'est pas mal, ouais. Comme ça, là, c'est parfait. Il fait grave beau aujourd'hui, d'ailleurs. Ah bon? Ah, je suis sorti, il faisait pas si beau que ça. Quand je suis allé chercher la galette et tout, là, j'ai fait des courses. Les chaussettes, blanc, c'est pas bien. Rouge, c'est parfait. Ah, il faut jamais mettre des chaussettes blanches. Les chaussettes, la classe. Et les mocassins. Blanc et rouge, j'aurais déjà limite. Noir. Non, quoique blanc et rouge, c'est mieux, je pense. Bah, c'est pas vraiment rouge, tu vois. Ah, donc, ça, me ah non, c'est bien. Ah, ouais. Parce que le sablette, moi, c'est celui que je voulais au départ, mais je trouve que ça fait un peu trop. Ouais, les sablettes. Remets le jean de tout à l'heure, pourquoi? Change-toi. Mais non, trop tard, j'ai changé. Almos va valider les chaussettes rouges. Ouais. Normal, il a bon goût. Trop classe. En fait, c'est les chaussettes et les chaussettes. Il y a que pantalon skinny, je suis désolé. Il est trop tard. Voilà, on est super beau. Ouais, je suis ok avec quoi. Ah. Bah, je peux pas le remettre. Il a fait oui. Regardez-moi comme je suis beau. Je peux me changer dans la cabine d'essayage. Youpi. Il y en a des verts, des roses et des bleus même. Ah bah moi aussi j'ai des couleurs, plein de couleurs. Attends, j'ai des rayés aussi, j'ai un peu tout, ouais. Attends, polo à manches rouges.
C'est celui que j'avais avant. Ah, il y a différents magasins de différentes marques. Mais t'as déjà tout acheté dans un... Dans ce du coup, j'ai le choix. Le jean tendance, tu veux? Ouais, ça passe, le jean tendance. Ok, on le garde. Ouais, je l'ai. Du coup, je me change. Voilà. Allez, on se casse. Je mange un bout de steak, pardon. Vite, 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 vite. Ton goût est énorme. Ouais, mais pas le temps. Allons, avançons. Ah bah, il est là-bas encore. Mais le mec, il fait 200 mètres à chaque fois. Et il m'attend. Il est là en mode, allez, on attend mon pote. 10 chatons. Ah, ça, c'est loco. La mode avant tout ici, exactement. On peut pas être un bon dresseur si on n'a pas le style. Maintenant qu'on est... On est en France, attends. Maintenant qu'on est des dresseurs de tout et tout, il faudrait qu'on tente le défi des arènes, non? Le quoi des quoi? Sérieux, tu connais pas? Attends, je t'explique, ouais. Salut, tu pourrais m'aider avec mon Pokédex? Bonjour, Nadjor89. Je voudrais bien t'aider, mais je commence tout juste le jeu, donc je vais pas beaucoup t'aider. Ça va être dur. On peut pas être un bon dresseur si on n'est pas bien dressé. Exactement, joli what the fuck, joli, joli. Joli jeu de mots. C'est une compétition annuelle où les dresseurs de toute la région s'affrontent pour avoir le droit, oui, de défier le maître. D'accord, mais il faut une lettre de recommandation pour pouvoir y participer. Vu que Tarak nous traite de Minus, je pense pas qu'il voudra nous aider. Je pensais à demander à la professeure. Ce serait top, trop bien si on participait ensemble, non? On pourrait se soutenir mutuellement, mais aussi s'encourager à se dépasser. T'as perdu? Ah mince. Ouais, GG, what the fuck. La prof habite tout au bout de la route. Deux. Oui, la route 2. Oui, enfin, depuis tout à l'heure on nous parle de la route 2 en fait, donc... Je me suis jeté sur mon tel pour la faire. Ah bah t'as eu raison. Faut pas hésiter à te jeter sur ton téléphone. En plus de ça, ça me refait un viewer en plus. Mes stats, j'y tiens beaucoup. Hop. Eh hey, papy. C'est toutes les mêmes maisons. Sonia et Tarak étaient de brillants rivaux à jadis. Oui, d'accord. Mamie. Déjà à ton âge, Tarak aimait les Pokémon et les combats de plus que tout quoi. C'est que les grands-parents. Ah, mais c'est les grands-parents de Tarak. C'est moi qui dois parler. Preuve d'une véritable rage de vaincre dans les matchs amicaux. C'est vrai que t'es là. Allez pas me faire péta la blague, attends. Pourquoi il se marre? Attends, hé hey, gamine, pourquoi ton papy rigole? ABC du dresseur, chapitre 1. Le premier Pokémon à être envoyé au combat. Je mange pendant ce temps. Vas-y, vas-y, je te laisse parler. Prends le micro. C'est celui qui est placé à la tête de l'équipe. Ouais, c'est bon. C'est bon. Bah, il me parle pas. ABC du dresseur, chapitre 2. Il faut sauvegarder souvent. Tu vas être frustré. Chapitre 3. Un Pokémon qui utilise une capacité du même type que lui infligera encore plus de dégâts. Elle est bizarre, non, la phrase? Un Pokémon qui utilise une capacité du même type que lui infligera encore plus de dégâts. Ah, il manque une virgule. Ouais, ou alors l'intonation. Non, il manque une virgule. Merci, Mangos Nordique. L'intonation est liée à la virgule. Non? Ponctuation. Pas forcément. Mout mout! Un dresseur doit bien connaître ses Pokémon s'il espère tirer le meilleur de leur puissance. Mout mout! On les sent les épices que j'ai rajoutées ou pas? Non. Non, c'est bien. Comment ça, c'est bien? Ce petit blond, allez! Tu vois le bâtiment au toit violet au loin? C'est là que la professeure Pokémon habite. Il est où son bâtiment violet? Là-bas dans le fond. Ah, c'est vrai. Mais elle habite que dans les bâtiments au toit violet. C'est professeur violet ou quoi? Bah, je pense. Tu parlais combien qu'elle a les cheveux violets? Elle a une robe violette aussi. Route 2. Ah bah, c'est là où on doit aller. Attention à ce que tu fais, hein. Hé, chaton, viens par ici. J'aimerais te parler d'un truc. Je me disais, ce serait peut-être bien d'attraper quelques Pokémon, non? Et oui, le Pokédex ne va pas se remplir tout seul, les Minus. C'est le Pokodex. Ou le Pokodox. D'accord. Franchement, tu sais, les types varient en fonction des Pokémon.
Et chaque type a ses forces et ses faiblesses. Donc c'est bien d'avoir un peu de tout. What the fuck. Histoire de monter une équipe équilibrée. Enfin bref, regardez-moi bien. Vous deux, je vais vous montrer comment. Parie 200 bits que c'est le cas, Mangus Morning, pour les cheveux violets. Vas-y. Oh, il faut que je joue là. Ah, mon bouton sauvage. Non, vas-y, fais un combat. Il te montre comment capturer un Pokémon. Regardez, c'est comme ça que. Mais ça va trop vite. Okay. Ouais, il le fait lui-même. Ah. Tu vois. Ok. Ah, il y a fuir. Ouais. C'est que j'aime bien fuir. Il peut fuir les combats. Il est entré dedans. Et il ressort. Ah bah non. Il est trop sage. Et hop, vous avez attrapé le moumouton. Ouais! Trop fort! Encore un moumouton! Il y en a 10 000 dans ce village. Ah d'accord. Je vais vous filer des Pokéballs. Tiens. Faut juste me permettre d'attraper plein de Pokémon avec. Promettre. Il faut juste me promettre. Ah! Surtout dans le coin, ça grouille de Pokémon qui n'attendent que de trouver un dresseur à aimer. Vous recevez 20 Pokéballs. Oui, oh, 20, c'est cool! Vous mettez les Pokéballs dans la poche. Pokéball. Cool! On va pouvoir gagner des tas de points d'expérience en attrapant des Pokémon. Profitez des dresseurs qui vous défieront en chemin pour vous faire la main. Je me demande à quoi ressemble l'équipe qui vous accompagnera au cours de vos aventures. En tant que maître, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et tu sais quoi? Je vais te laisser continuer le jeu avec le chat. T'as fini de manger, toi? Oui. Et je vais mettre la galette au four. Mais il reste un peu de... T'es en live, chérie. Hop là. Il reste un peu de légumes. Tu voulais le finir? Non. Non, bah, c'est pas grave, bien sûr. Ok. Bon. Ouch. Tu peux prendre ma place. Ok, merci. Je vais juste... Je vais changer toutes tes configs. Non, je change pas mes configs. Bon. Et tu seras sur YouTube. C'est décidé. Je vais attraper un max de Pokémon. La prof va être bluffée. Merci, Mangouste. Et du coup, je sais pas comment faire. Un Kélocroc sauvage. Et on... Au secours. Je fais comment? J'attaque? Je sais pas comment faire. Vas-y. Pistolet à eau. Ah ouais, j'aurais dû choisir celui avec le plus de points. Attaquer. Rugissement. Merci, what the fuck. Ça a marché. Comment on sait ce qui marche mieux avec lui? Crasse face. Ah bah merci. Du coup je fais crasse face. Ah ouais, t'as raison, ça marche tellement mieux. Je continue avec crasse face. On dirait qu'il vient d'éternuer, c'est marrant. C'est la fin! À la prochaine, on va la voir. Alors, mais tu le tues? Oui, je t'ai attrapé. Mais il était trop mignon. Tu l'as pas attrapé, tu l'as tué. Ah bon? Oui. C'est pas comme ça qu'on fait? Bah, il faut envoyer une Pokéball. Ah, je me suis trompée. Là, tu l'as tué. Elle l'a tué. Bon, ok, je sais elle pas. Elle a tué la tortue qui avait l'air mignonne. Écrase face. Ah, bah c'est bien, ils t'ont aidé. Vous êtes gentils, c'est bien. Oui, parce qu'en fait, j'ai pris deux. And the word of bass voice Tris goes to Sanae. Ah oui, qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Ah, t'as eu des encouragements et tout, c'est bien. Bah, en fait. Ah, Léon a monté de niveau. Ouais. Mais le truc, c'est que je me suis trompée. Au lieu de l'attraper, je l'ai attaqué. On a gagné l'XP. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Les Pokémon, il y en a à volonté. Tu peux les tuer autant de fois que tu veux. C'est comme un buffet, en fait. Ouais, c'est ça. Va au buffet. Yeah. Et tu veux lequel en particulier?
Ouais, il n'a pas en particulier. Granipio. Je veux bien en attraper un alors. Je vais dans sac pour l'attraper. D'abord, fais-lui un peu de mal. Et comment je sais lequel va lui faire du mal? En fonction de son type. Mais ça, c'est à force, on les connaît, tu vois. Comment je vois son type? Ah ouais, faut buffer. Un pistolet là-haut, ça va être pas mal. C'est l'attaque la plus puissante qu'on ait, de toute façon, pour l'instant. J'ai fait tout à l'heure le pistolet. Ouais, mais ça va pas le one-shot. Il est niveau 6, ça va pas le one-shot. C'est pas très efficace. Greenypot, là, il est déjà un bon niveau, donc il va être costaud. Oh! Ah ouais! Voilà, et il va te faire mal. Du coup, peut-être écrase-face, ouais. Elle a raison, Mangoust. Non, attends, là tu vas te faire tuer. Bon, d'accord. Pourquoi? Vas-y. C'est toi la chef. Il est de type plante, relatable. Comment elles font pour savoir? Bah, c'est une graine. Une graine, c'est une plante. Mais pourquoi elle est relatable? Relatable? Je sais pas. Au début, j'ai pas compris relatable. Est-ce que je peux me heal dedans? Oui. Et c'est quoi, B. Hop, tu vas dans ton sac. Tu prends la potion. J'en ai acheté plus tout à l'heure. Ça vaut le coup ou ouais, prends. Okay. J'en ai besoin. Bah, Léon, il y en a qu'un. D'ailleurs, rien à voir avec Pokémon. Ah, je me disais. Ah. Je joue à Pokémon depuis 1998. Eh oui, mon gars. Waouh, t'avais moins de 10 ans, là. Ouais, c'est pas possible. On a commencé, là. Ah, c'est... Non, elle est pas... Oui, elle avait moins de 10 ans. Ouais, je sais. L'énergie de Léon est dans les doigts. Ok, j'attaque avec écrase-face. Ouais. J'étais même pas né, JPP. Quoi? C'est dans l'anglais pour dire genre compréhensible pour la ref. Ah. Et ça fait un joli mot parce que ça fait relatable. C'est comme si tu dis bonjour la table. Ah ouais, mais il est beaucoup plus dur à attraper. C'est vrai, t'es fait que t'es pas né. C'est vrai que ces jeux sont vieux. On a plein de générations du coup dans le... Oui, on est melting generation. Dans les viewers, c'est cool. Chaton RPZ ce soir. Réponds. C'est le frère RPZ. Repose une piste. Je sais pas. Quoi RPZ? Repose-toi. Je sais pas. Je parle pas très SMS en fait. C'est pas SMS, c'est... Je sais pas. Représente. Ouais, représente, c'est ça. Je m'en souviens. Ah. C'est le Z qui me... Bon, je reste sur les attaques. J'ai envie d'essayer ça. C'est une mauvaise idée? Non, vas-y. Ok. C'est trop bien, les toits. Je sais pas si ça marche. Ah, c'est ouais. Ça. Ouais, si t'as de la chance, ça va le faire plusieurs fois. Non. Ah, ça a pas marché, il a fait une armure. Bah, mais il est costaud, Granipot, hein. Faut se méfier. Ah, si, là il est dans le rouge. Il est dans le rouge. Donc qu'est-ce qui se passe quand on est dans le rouge? On envoie une Pokéball. Ah sac. Attends, B. Tu vas dans le sac. Tu vas dans le sac, ouais. Et là, tu vas à droite, ouais. Pokéball. Ah d'accord, je viens de comprendre. Voilà, et là Pokéball dans sa toile. Dans sa toile. Il faut absolument qu'il soit au rouge. Into Pokéball. Maintenant c'est Pokémon Into Pokéball. Ok. Ok. Oui, vous avez attrapé Granipot. T'as attrapé ton premier Pokémon, oui. Sunny. Félicitations. Merci. Ah, attendez, je vais lui faire un truc. Oh non, ça va être fort dans mes oreilles. Non, j'ai baissé un peu le son, je crois. Quoi? Le jeu. Merde, oh, mais c'est long. Ah, voilà. Ah oui, regarde, elle est vraiment type plante. 0,5 mètres. Pèse 4 kilos. C'est lourd pour moi. Quoi? Ouais. Merci, what the fuck. Plus il est faible, moins il résiste à la capture. Ah oui, je vois, ouais. Ça a marché ou quoi? S'il reste, j'ai rien entendu pour l'instant. C'est bon. Continue, bravo! Ah, j'ai entendu. Voilà. Merci. S'il reste immobile, il a l'air d'une baie. Il adore surprendre les Pokémon qui tentent de le picorer. Voulez-vous donner un surnom? Tu veux donner un surnom? Ouais, demande-leur ce qu'ils vont. Oui, c'était Bits, mon mode nordique. Ah ouais, à l'évolution, il est pas mauvais, lui. Bah, c'est eux, voilà, je fais les sons pour toi.
Est-ce que je donne un surnom? Et qu'est-ce que je donne comme surnom? Oui. Ouais, faut comment que... je peux surnommer Granny Piot Mal? Alors, faut oublier qu'il est... Ah, rejoint trop tard. Ah, mais je peux le resurnommer, non? Je sais pas. On peut pas revenir dessus? Si, on peut lui changer son nom. De toute façon, on peut lui changer son nom, donc c'est pas gênant. Je fais comment pour regarder? Ah, attends. En gousse nordique, faut que je t'envoie un Lydia ou quelque chose comme ça pour tes bits. J'ai pas réussi, je peux pas en donner sur le live, j'ai l'impression. Gland. Elle veut l'appeler Gland. Gland? Oh non, pas Gland. Attends. Ouais, Gland. Comment est-ce qu'on fait pour... Je fais comment pour toucher le... Ah mais attends, mais ça c'est important pour moi, ABC. Ah non, c'est un objet rare. Je vais me faire taper si j'utilise. C'était, ça veut dire quoi? En plus c'est un disque. Oh, il y a des bonbons les gens. Pour le re-surnom, faut aller voir un gars qui le fait. Ah, merci. Sinon j'aurais cherché longtemps. Et le gars il est où? Oh, celui-là il a l'air mignon. Bah il a disparu. On aurait dit un écureuil, je suis comment? Ah yes! C'est un PNJ qui le fait. Eh? Pourquoi je croyais que c'était un animal, enfin un Pokémon avec une queue? Là c'est le même. Bon, du coup je sais que étreinte c'est efficace. Enfin, ça marche, tu vois. En fait c'est mitigé, c'est pas si efficace que ça. C'est les capacités que tu apprends à un Pokémon, mais elles se suppriment à l'utilisation. Ah. Ok. Merci mon ghost. Je vais attaquer avec ça alors. Voilà, un peu mieux. En fait, c'est beaucoup mieux. Je prends tellement cher. Oh oh. Écrase sa face. Déjà, je vais me sauver, je crois. Utiliser. Bah, sur le nom. Oui. Ah, c'est beaucoup mieux. Oh là là. Pourquoi j'ai la même attaque sur lui alors? J'ai pas l'impression d'avoir attaqué avec étreinte. Encore une fois, je peux le faire. Merci. En fait, j'ai cru voir un Pokémon qui ressemblait à un écureuil avec une queue. Oui. Mais finalement, quand je me suis rapprochée, c'est Granny Pot qui est sorti. Oh zut. C'est normal. T'as pas eu gros mangeur de Granny Pot? Je sais pas. On va switcher de. Ok. Je te laisse. Ah. On va switcher parce que c'est prêt. Oui. Ne. Oh. Ne donne pas d'infos. Pas tout de suite. Okay. Attends. Je vais clear la. Je sais pas, je pense que ça fait 40 minutes, non? Rebébé ou sa chute, t'arrive au bon moment. Hop. C'est dommage qu'on peut pas donner l'odeur au beurre. Ça sent le beurre. Alors, on va sortir de là. Ouais, on est sur la route 2. Ça y est, je sais pas pourquoi on a pris 40 minutes pour aller à la route 2. C'est trop bien de se déguiser. Ah oui, Gumballé, c'est trop bien. T'aimes bien te déguiser en fille, c'est ça, Gumballé? J'ai bien compris. qu'est-ce que j'allais dire? Ça fait combien de temps, là, qu'on a repris live tout à l'heure? J'avais arrêté à 20h, c'est ça? Je sais pas, t'as dit t'as fait 2h et ensuite t'as fait une pause. Ouais, j'ai fait et une là, pause. Comment ouais. Tout, c'est et là, ça fait 2h10. Ah, ouais, me on cache. Est bon. Quoi? Ah oui, Pikachu te cache. Désolé. Ok. Bon. Si c'est ça. Ah, le Audi Master System magnifique. Ah bah oui, il est toujours là, lui. Hein. Il a pas changé. Bien. Mon petit Sega est toujours là. Il est temps de jouer à Radiant Silvergun, les enfants. Ah, Gambari, toujours avec ses jeux. Les excellents jeux. Hein. Rien. Ah, ok.
Alors, vous savez quelle heure il est? C'est l'heure du dessert. Donc, YouTube, on se retrouve sur la prochaine vidéo Pokémon. On va évoluer, je vous le promets, on va finir cette route 2. Voilà. Allez, à plus tard, YouTube.